Bonjour à tous, je me trouve ici à Lyon, une ville qui paraît-il rencontre quelques difficultés. C'est France Saccagée, épisode 3, suivez-moi, c'est parti. Ok, donc là en fait on se trouve à Vaux-en-Velin, donc la banlieue de Lyon. Et c'est une banlieue quoi, c'est moche. Elle est sympa cette petite scène là. Ils ont jeté du pain là pour les pigeons ou quoi? Mais c'est écolo. Ouais, au moins c'est écolo, ouais. Ça, ils peuvent te chier sur la tête. Oui, parce qu'un pigeon a chié sur la tête de mon cadreur. Vous aimez vivre ici? Il y fait bon vivre? Moi, non. Non? Vous aimez pas? Non. Qu'est-ce qui va pas ici, dites-moi? Je sais pas, parce que il y a beaucoup de... Oh, moi, j'aime pas ici. Beaucoup de quoi? Non, des gens qui sont courus tout dans les quartiers ou non. La délinquance, quoi. Ah ouais. Beaucoup. Ah. Fait un peu frisqué, hein. Je fais un reportage sur le quartier. Non, merci. Ah, on n'est pas du quartier, nous. Ah bon? On n'est pas du quartier, là. Ok. On n'est pas de là, nous. Pas de problème. Ah oui? Faites attention, par contre, il m'a dit le gars. Ok, ouais, ça a l'air d'être chaud ici. Non, je pense que les dangereux, ils dorment à 11h, encore. À mon avis, hein. C'est ma théorie, on va voir si elle s'avère vraie. Ici, vous êtes au mât du taureau, ouais. Qui est souvent répertorié à la télé pour ouais. Les émeutes en 89. Ouais, c'est ça. Plein d'autres trucs. C'est souvent pourri. Les bus, il y a souvent des problèmes parce que... parce qu'ils sont caillassés ou autres, donc ils sont ou déviés ou arrêtés ou ce truc. Et vu qu'il n'y a pas longtemps, les stupes et tout qui ont augmenté depuis ces dernières années, mais dans tout Lyon depuis 20 ans. Ah, il y a de la drogue ici? Ah ouais. Ah ouais. Bah, allez-y, vous cachez vos caméras avant, vous arrivez à Vaux-en-Velin, moi je vous dis l'endroit, vous allez les voir. Et ils font ça mais devant les gens, rien à foutre. Mais là, et en plus, maintenant, ils fument dans les escaliers. Donc, vous sortez, là, ça fume. Ouais. Et ils appuient sur la lumière. C'est qui paye la lumière à la nuit? Donc, on va arrêter, quoi. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a partout. Là, vous ne les voyez pas, là, tout de suite. Mais d'accord, ouais. Il pleut. Puis, ouais, dès qu'ils voient les caméras, à mon avis, ils doivent se tailler un coup. Et puis, c'est un peu tôt aussi, là. Là-bas, il commence à 10h, 10h30. Ça va pas. Pourquoi? Dites-moi. Eh ben, il n'y a pas de travail, il n'y a rien pour les jeunes. Il se passe beaucoup de choses qui ne devraient pas se passer. Les jeunes, ils essaient de s'en sortir. Il y en a qui dealent pour acheter du pain et de la viande hachée chez le boucher. Et les gens, ils veulent qu'ils arrêtent de vendre de la drogue, mais c'est la drogue qui fait avancer les gens, qui calme les gens, la société. Normalement, ils devront créer des coffee shops comme en Hollande. Au moins ça qui aimerait la société, un peu tout le monde. Ils nous ont mis du CBD et ils ne veulent pas passer à la THC. Et pourtant, c'est accessible sur Internet et tout. Et vous, pourquoi vous venez là? Parce que j'aime bien ici, parce qu'avant j'habitais ici. Ah, et vous aimez bien le quartier? Oh, avant oui, plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? La dégradation. Ah oui? Oui, oui. Beaucoup d'étrangers. Ah oui. Beaucoup. Voilà. Plus qu'avant? Oui, beaucoup. Ah ouais, ça s'est accéléré. Ça s'est accéléré maintenant. Voilà. C'est pas bien. Voilà. Au revoir. Au revoir, madame. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Elle a dit, ils vont me tuer. Chaud quand même, hein. Chaud, chaud, chaud. Eh ben, le quartier, je vous dis franchement, il faut supprimer... des zones moins 30 ans. Quand vous supprimez ça, ça va régler l'affaire. Ah, parce qu'il crée des zones pour les jeunes, oui. Et ça crée des problèmes, c'est ça? Vous savez bien d'abord. Avant, nous, quand on monte dans le bus, quand il y a une personne âgée, ou une femme enceinte, ou une vieille femme, je me lève sur la chaise et je laisse la personne âgée. Maintenant, il n'y a pas ça. Regarde cette architecture magnifique, là. Là, on est vraiment sur de la... Du beau œuvre, du bel ouvrage, regarde. Ça donne envie d'aimer son quartier, d'habiter dans un immeuble comme ça. T'as les mecs qui ont fait ça, ils se sont dit, écoute, il y a des gens, on va les empiler dans des cages à lapins, et ils vont être heureux et tout va bien se passer. Avant, qu'est-ce qu'il y avait comme immigration? C'est les Algériens. Parce que les Algériens, ils étaient français avant.
Vous rappelez de l'histoire ? Bien sûr. Il y a des Français. Donc les Algériens qui sont venus avant, même ils ne savent pas lire ni écrire, ils n'ont jamais été à l'école, mais ils étaient gentils comme tout. Hein, à peu près comme moi. Ils étaient gentils, ils n'ont jamais frappé quelqu'un, ils n'ont jamais insulté quelqu'un, ils donnent le respect à tout le monde. Et maintenant la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait rentrer l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le Moyen-Orient. Après, on passe la Chine. Il n'y a plus de Français. Où sont les Français ? Alors, répondez-moi maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Hein ? Je dis, les gens qui viennent comme ça de là-bas, ils ne pensent pas qu'ils ont dans la société française qu'ils pensent pour la France. C'est pas vrai, c'est faux. Hein ? C'est pas parce que j'ai une carte française et ils pensent pour la France. Bien, non. Bien sûr. Ils pensent pour lui et pour son pays. Parce que le jour, parce qu'il a faim là-bas, mais quand il arrive ici, il remplit l'estomac, il s'en fout de la France. Et toujours vive la République, hein. Vive la République. Ah ouais, c'est la République. Voilà. Merci. Non, de rien. Bah, bon, allez, bon courage. Merci, au revoir. Merci, allez, bonne journée. Bonjour, monsieur Macron. Allez, bonjour. Bonjour, voilà, monsieur c'est Macron. Ça, oui, monsieur. Allez, bonjour, je transmettrai. Voilà, c'est le vrai FLN. Ça, c'est les premiers habitants de Pont-Blanc. Bon, l'ancien, là, que le chapeau à la droite, là. Très, très gentil, monsieur. Très et gentil. Il a 60 piges de secteur. Ça pas beaucoup, c'est rare, ça. Ah, ouais, ouais. Ça, non, c'est très rare. J'ai bien parlé avec lui, très, très gentil, ce monsieur. Ça, c'est vraiment rare. Hein, et là, t'as la place du Mal du Taureau. Tu la connais ? Oh, non, je connais pas, moi, ici. Bah, la place du Mal du Taureau, c'est la place la plus populaire de la région Rhône-Alpes. Ah ouais ? Voilà. C'est la diversité, c'est les noirs, les blancs, les jaunes, c'est tout le monde pareil. Toutes les religions, on accepte tout le monde. Il y a une bonne ambiance ici ? Bah, l'ambiance, on peut pas trouver meilleure ailleurs. Hein. Franchement, regarde, on a la vue sur Leader Price, on a les bus qui passent, on a la police toute la journée. Qu'est-ce que tu veux de mieux comme ambiance ? Là, on a les petits écoliers là. Non, je rigole, je plaisante. On a une ambiance comme chez tout le monde. On m'a dit que c'était un peu tendu des fois. C'est un peu tendu comme chez tout le monde. Quand on cherche à être tendu, bah, les gens viennent ici. Ils viennent se... C'est la récréation en fait. Ah ouais. Ah, c'est un peu la récréation. Les gens ils viennent se défouler, on va dire. On va dire se défouler un peu ici, mais vis à part ça, il n'y a personne qui a mangé personne ici. C'est un coin, c'est convivial, où les gens ils peuvent se parler, ils peuvent s'entendre. Il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de l'autre, il regarde l'autre, il est meilleur que l'autre, il n'y a pas tout ça. Nous, on est vraiment tous pareils, on est égaux. Tout ce qui est coin, on va dire, un peu blanc, on va dire, tout ce qui est centre-ville et vos villages, on voit la différence. Quand on rentre dedans, on voit la différence. Les regards, ils ne sont pas les mêmes. Tu ne te sens pas chez toi, t'es pas à ton aise, on va dire. Ici, là, tout le monde y est accepté. Regarde, il y a des blancs, il y a des blancs de partout là, qui marchent, là, personne ne leur fait chier. Tu vois ? Et voilà. Alors on est ici à Pardieu, ça c'est la gare Pardieu, la gare centrale de Lyon. Et en fait cette place, je me souviens qu'avant elle était entièrement dégagée et là, putain mais il y a des travaux, mais depuis combien d'années quoi. Regarde, les travaux là qui sont chiés mais partout quoi. Il y a des travaux absolument partout là, dans toute la place de la gare Pardieu. Putain c'est dégueulasse hein. Regarde. Mais moi, ces travaux, ils me font littéralement halluciner. Hein. Ça fait des années et des années qu'il y a des travaux sur cette place. Quel bordel. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui font la manche, là, dans cette zone. Hein. La beauté de la gare. C'est ça, madame. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je pense de quoi ? De cette zone. On peut parler de zone, hein, je crois. Hein. C'est un peu la zone, ici. Je ne sais pas quoi vous répondre. Hein. Et Lyon, d'un point de vue général, c'est oui. Une belle ville ou pas ? Oui, c'est sympa. Ouais. Et l'ambiance y est bonne ? Oui, ça dépend des quartiers. Ouais. Ça dépend des arrondissements. Il y a des quartiers mal famés à Lyon ?
Je ne sais pas, parce que je ne regarde pas vraiment ces côtés-là. J'essaie de regarder tout le temps les aspects positifs de la ville. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc d'accord. Je ne suis pas du tout branchée dans le négatif, la pauvreté, etc. Je sais que ça existe, mais je préfère ne pas mettre mon énergie là-dedans, d'accord. Mais plutôt mon énergie dans le positif. C'est comme ça que je peux faire quelque chose à ce moment-là, à l'échelle individuelle. Donc là, c'est ce qu'on voit concrètement quand tu arrives à la gare de Lyon, quoi. On peut pas dire que ce soit très très beau. Où ça, là encore? Ça, c'est intéressant aussi, cette vue, j'aime bien. J'aime bien cette architecture. C'est un peu déstructuré, tu vois. C'est les couleurs, franchement, vraiment, c'est un choix pertinent, je trouve. Et puis les carreaux, là, ça, c'est d'enfer, ça. Puis c'est moderne. Les carreaux, ils sont vraiment d'enfer. Non, mais ce gris, là, on parle d'un gris, quand même, qui est intéressant. Un gris fumé, quoi. Ouais. Oh, t'es resté à la gueule, toi. Ouais. Ouais, t'as une sale fachot de merde. Ah ouais? Ouais, t'as un sale fachot. Non. T'as un sale fachot de merde. Ouais, lui, c'est un gros facho, lui. Lui, c'est Vincent Lapierre, c'est un gros facho. Ça marche plus, ça, ouais, c'est fini. Ferme ta gueule, ça marche plus. Sale fasciste de merde, lui, c'est un facho. Ouais. Regardez tous, il s'appelle Vincent Lapierre, c'est un gros facho de merde. Tu vas voir, gros facho de merde, là. Bah vas-y, filme-le, hein. Tu vas voir, on va t'être revu. Ah ouais. Regardez tous, tout le monde, là. T'es ridicule. Ouais, c'est un gros raciste de merde. T'es ridicule. Ah, j'ai peur. J'ai honte. Tu me fais trop peur. Ouais. On m'a jamais dit ça. Tiens, c'est la première fois qu'on me dit ça. Il y a de l'originalité dans ce qu'il dit quand même. Hein. J'ai jamais connu ça. Non, c'est vrai que là, le sol est pas... En soi, la place est pas sale. C'est pas une question de saleté en fait, c'est vraiment une question de travaux et de misère quoi. Regarde le tram de Lyon là, il est spécial quand même. J'aime bien sa couleur. Ouais, c'est de l'art contemporain quoi, non? Vous avez de la diarrhée. C'est ouf hein. Mais c'est quoi? C'est tag. Non, c'est du tag, c'est du pur tag. Alors, c'est un motif quand même, hein. C'est fait exprès. Ouais. C'est fait exprès? Oui. Mais non. T'as vu, ça se répète. Bah ouais. Moi j'ai hésité quoi. Tu te dis, hein, attends, c'est tellement dégueulasse que ça peut pas être vrai, fait exprès. Si. Ouais, il y a pire, hein. Ouais, il y a toujours pire, hein. Ça pourrait être de la merde directement, ouais, ce serait pire. Donc là, on est où là? On est à Jean Massé, d'accord. Très très bien. Je m'imprègne de l'ambiance de la ville. Regarde, un nouveau service de streaming, Paramount Plus, une montagne de divertissement. C'est bien, on peut se divertir. C'est cool. Ouais, beaucoup de misère. Hein. Donc là, on est à Jean Massé, en fait, sous le pont, il y a des camps de... Ben, de quoi, de je sais pas, de gens qui sont dans la merde, quoi. Ouais, toujours les trucs de merde comme ça, là. Toujours les détritus. T'as besoin d'une couverture pour cet hiver, Ced? Non, ça. Tiens, regarde ça là, c'est sympa là, tous ces tags. Bon, ils sont quand même, ils sont plus beaux que ceux qu'il y a à Grenoble. Au moins. Un peu plus de recherche. Ok, après on va à la Guillotière. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ah bah ça fait 10 minutes. Et alors, de là en 10 minutes, vous avez quelle impression? Ah bah c'est peut-être pas le coin le plus sympa de Lyon, mais ouais. Je connais pas, j'ai pas la prétention de... D'accord. Bon. Ouais, donc là en fait, il y avait vraiment pas mal de tentes installées là sous le pont. Donc là on est à Jean Massé, on va en direction de la Guillotière. Bon, j'ai pas mal entendu parler, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, on arrive à la Guillotière. Ah ouais. Ok. Ouais, là, ça ressemble à Grenoble, effectivement.
On a les premiers signes d'un délaissement du quartier, là. Ça, c'est des détails qui ne trompent pas, ça, j'ai l'habitude, croyez-moi. Bonjour, madame. Et là, vous faites quoi, ici, à Lyon ? Mon mari, c'est trop malade. Et en Lyon, ouais. Le niveau de santé, c'est super. D'accord, ok. Pour le système de santé ? Oui. Ok. Et pour... Nous, tenons allocation, nous tenons... Ok. Pas à la paga, mais... D'accord. Travail. Vous travaillez ? Comme moi, pose. Et noir. Au noir ? Mm-hmm. Dans quel domaine ? Ménage de pizzerias. Ah, ménage, d'accord. C'est dur. Bon, c'est un travail. Ouais. Un travail, c'est pas là. Quand il y a l'argent, c'est manja. Ok. Waouh, il y a des cartes CRS. On est bien accueillis là. Alors là, effectivement, on a. Tiens, c'est carrément un car pour embarquer les mecs, d'accord. Et là-bas, on a un deuxième carte CRS. Là, on est donc à la Guillotière. C'est vraiment un quartier dont on m'a beaucoup parlé par message. On m'a dit de venir à Lyon voir la Guillotière. Apparemment, ça s'est beaucoup dégradé ces dernières années. On va aller voir ça. Ah ouais. Cigarette ? Comment ça se passe ici, la Guillotière ? Ah, ça se passe bien, la Guillotière. Et à nous, ça se passe bon de nos côtés quand même, parce qu'on ne se plaint pas d'ici. Seulement la population, il y a un peu de dérangement quand même. Ah oui ? Par rapport à des... Je ne peux pas dire ça, monsieur. Vous m'excusez, je suis désolé. Pas de problème. Ils vont me voir à la télévision demain matin, ils vont venir, mais arrêtez, pardon. Je fais un petit reportage sur le quartier. La Guillotière, comment ça se passe ? Tu peux pas... Aucune... Aucun commentaire. Aucun commentaire. No comment. Non, no comment, ouais. Ok. Ici, c'est l'anarchie, ça se vend des médicaments, des cachetons, des cigarettes en noir. Et comment dire, la violence, l'agression, le vol des chiens, et il y a tout, mais dommage, c'est des sans-papiers, il faut qu'on le fait un truc, un moyen au moins, un petit moyen pour qu'il n'arrive pas tout ça entre nous, parce que les voisins sont grave dérangés à cause de ça, le peuple de Lyon, il est dérangé, le maire, le juge, tout le monde, il est dérangé pour ça. C'est quoi votre chaîne YouTube ? Le Média pour tous. Le Média pour tous. Je fais un reportage sur Lyon. Ah. Sur Lyon. Et vous posez des questions où on doit... Bah, c'est pour savoir comment vous trouvez la ville. La ville, elle est, c'est une belle ville, elle est propre, mais parfois il y a des phénomènes qui se passent qui gâchent un peu le charme de cette... L'Algérie. Attends, qui gâchent le charme de là. C'est quoi les événements qui gâchent le charme ? Bah quand même, à votre avis. Comme là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un meurtre à la Duchère. Ah oui ? Ouais. Ou les histoires de drogue, tout ça. Ah ouais. Après, il n'y a pas qu'à Lyon, hein, dans toutes les villes. Ah. Dans la plupart des grandes villes. Elle est très belle, Lyon. Ouais. Pour le travail, pour tout. Il y a du travail ? Il n'y a pas de travail, monsieur. Lyon. Il n'y a pas de travail ici. Les choses, parce qu'il n'y a pas, papiers. Obligatoire, les papiers. On a les sans-papiers, tous les jours, il n'y a pas de travail. Donc obligé de faire du travail au black. Tous les jours, là, on blague, on blague. Parce qu'il n'y a pas de papier, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici en France ? Deux ans. Deux ans ? Toi ? Trois ans. Et pourquoi vous êtes venu ici ? Ah, parce qu'on a des problèmes en Algérie. Ouais ? Des voleurs. Pas de travail, il n'y a pas de... Pas de travail, pas d'argent. Pas de maison, il n'y a pas de... Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de rien. Mais ici non plus, il n'y a pas de travail, pas de maison, pas d'argent. Mais travail en noir. Moi, travaille 6 ans, armée. Ouais. Tu connais l'armée ? En Algérie ? Oui, en Algérie. Ouais, c'est dur ça. Après malade, dossier malade, après ouais. Dossier malade. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas remboursé pour les. Il n'y a pas remboursé. Moi, je suis asthmatique. Tu connais asthmatique ? Oui, asthmatique. C'est pour le médecin, les soins de santé, c'est mieux la France. Tu connais asthmatique. Oui, bien sûr. Les Français, il n'y a pas de travail bâtiment. Oui. Ah oui. Il n'y a pas de travail. Travail forcé. Travail forcé, direct. Mais on a les Algériens, on a les Portugais, on a les Roumains, on a les Tunisiens, les travail forcé. Moi, toujours, les travail forcé. Bâtiment. Ce quartier-là, il y a 20 ans, c'était un quartier déjà populaire. Ouais. C'est un quartier qui était considéré comme un petit peu chaud, mais c'était vivable. Il faut admettre que depuis un certain temps, à savoir 3 années depuis le Covid, le quartier est devenu invivable, pour des raisons qui sont très précises. Voilà. Lesquelles ?
les raisons pour lesquelles le quartier est devenu invivable, dans la mesure où je pense que le Covid a exacerbé beaucoup de problèmes sociétaux et sociaux, dans la mesure où quand vous interdisez par exemple ne serait-ce qu'à des SDF de pouvoir se regrouper dehors, sachant qu'ils n'ont aucun lieu où aller, vous créez, si vous voulez, une zone de tension qui n'existait pas avant. On est d'accord. Si parmi ces SDF, vous avez des immigrés, pas des immigrés, mais des vagues de sans-papiers qui viennent du Maghreb, qui eux déjà fuient une situation de crise dans leur propre pays, vous rajoutez à leurs problèmes des problèmes, puisqu'ils arrivent en France, qu'ils n'ont pas le droit non plus de rester ici, j'irai physiquement, dans la mesure où le Covid a empêché ces personnes-là de se regrouper. Sachant que ces personnes-là, pour manger, n'ont que des cigarettes. Si vous leur dites, à cause du Covid, vous n'avez pas le droit d'être là, ça devient un problème dans le problème. Ouais. Donc ça crée de la délinquance, du fait que, si vous voulez, ces jeunes qui sont sans papier, qui sont souvent des mineurs isolés, et qui sont donc pas pris en charge par la société parce qu'ils n'existent pas légalement, se retrouvent dans la rue sans moyen de survivre. Vous faites quoi, vous ? Vous êtes dans un pays, dans une rue, sans moyen de survivre. Vous faites quoi pour vivre ? Vous rentrez dans la délinquance. Nous, les commerçants qui vivons ici, du coup, à nos dépens, on est obligé d'impacter des problèmes qui ne sont pas de notre ressort, qui sont du ressort de la police, de la justice et de l'éducation. Et de la politique, bien entendu. Voilà. Donc nous, il y a ça entre autres. Après, il faut reconnaître aussi que la France et certains pays du Maghreb, comme l'Algérie, ont des gros problèmes diplomatiques qui font que, à partir du moment où les Français ont décidé de donner moins de visas aux Algériens, en contrepartie, les Algériens ont ouvert les vannes de l'immigration illégale. Ils arrivent ici, en Algérie, ils ne sont pas pris en charge, ils sont déscolarisés, ils vivent dans la rue. Ils arrivent ici, ils sont souvent polytoxicomanes. Donc on se retrouve avec des populations de personnes qui sont déjà toxicomanes quand ils arrivent ici, qui n'ont aucune aide et qui, pour survivre, font quoi ? Arrachent des portables, se battent entre eux pour avoir des histoires de cigarettes, ça se finit à coups de couteau, volent dans les magasins. Voilà pourquoi le quartier, si vous voulez, en 3 ans, est devenu un coupe-gorge. Ah, d'accord. Attends, mec, les téléphones déjà. Ils m'ont niqué mon téléphone. Ils vous ont volé votre téléphone ? Vous êtes fait voler votre téléphone ? Non, quand même pas. Hein ? Vous n'êtes pas fait voler votre téléphone ? Oh, ça fait 40 ans que j'habite dans le quartier. Ah ouais ? Et alors, comment il a évolué, ce quartier ? Oh, mal. Ouais. Oh, mal. Vous voyez pas la situation ? D'après vous, c'est quoi ? Beaucoup de trafic, beaucoup de violence. Avant, c'était pas comme ça, non ? Ouais, ouais. Non, non, pas du tout. Avant, c'était bien. C'est un beau quartier, cosmopolite, il y a de tout. Il y a des Chinois, des Asiatiques, des Arabes, des Français, il y a de tout. Roumanie, où les Arabes, on est de la famille. Ah oui ? Ah oui. D'accord. Oui, j'aime bien. On est tous la famille ici. Oui, on est tous la famille ici. Qu'on soit arabe ou romain, on est tous de la famille. Tout le monde, il était là. Les Français. Égal. Oui. Les Français sont la famille ou c'est pas trop? Bah oui, pas c'est trop. La famille. Pas trop. Pas trop. Non, moi j'aime bien les Français. Pourquoi? Parce que moi j'habite ici depuis 6 ans. C'est normal. Moi j'aime bien les Français comme c'est ma famille. Bah, c'est comme tout le monde. Tout le monde, c'est la même chose. Je suis pas. Pourquoi les Français ne donnent pas aux Romains ou les Arabes du travail? Vous n'avez pas de travail? Les Romains et les Arabes, pourquoi ils n'ont pas du travail? Ah, bien parlé. Hein? Ah, bien parlé. Là, la raison, c'est... monsieur. Comment? La raison. Ben oui. De toute façon, la France, eh ben, c'est comme les mobilettes. Il faut du mélange. Sinon, ben. Ah, oui. Ah, il faut des mélanges. Comme oui, une mobilette. Ah bah comme le mobilette avant, et ben, si tu ne mets pas de l'huile, ben, tu ne tournes pas le moteur. Alors il faut du mélange, un peu de tout, voilà. Est-ce qu'il marche là, le mélange actuel en France ? Non. Ça c'est une réponse, là, je ne sais pas, c'est dur, dur. Ça arrange certaines personnes. D'accord. Tu veux que je précise exactement ? Oui. Ça t'arrange ? Je vous le dis, le FN par exemple. Ah oui. Hein ? Il vous dit voilà. Les Arabes ils cassent, les Arabes ça, les Arabes cela. Ici, il n'y a pas que des Arabes. Hein. Ouais. Il y a de tout. Hein. Après, ils ne sont pas au pouvoir. Hein. Hein ? Ils ne sont pas au pouvoir. Par exemple, ici, la mairie, c'est quoi ? C'est écolo, c'est ça ? Oui. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au pouvoir, qu'ils ne peuvent rien faire non plus. Waouh, là c'est beau ici. Ici on est dans le beau Lyon. On passe sur le Rhône avec la basilique de Fourvière en vue.
Putain, regarde là. Tu sais que j'ai passé le permis bateau, moi, sur le Rhône. Ok, donc là, on arrive sur la place Bellecour, la place principale de Lyon. Très très belle place. Avec beaucoup de monde. Il y a toujours la roue. Ouais, c'est nickel ici, hein. Franchement, y a rien à dire, c'est nickel. Hein. Et c'est beau même. C'est très beau. Alors là, le petit détail qui tue quand même, elle est très belle la place. Hein. Franchement, rien à dire, c'est magnifique et très propre. Faut le souligner, faut dire quand les choses sont propres et ordonnées. Mais là, le truc, c'est que... Ah, ça détonne dans le paysage, quoi. Cette sorte de barrière de chantier qui est là, au niveau de la statue de Louis XIV, ça fait pas très... Ah, ça va pas dans le décor. Dommage. On était presque sur un 10 sur 10, là, mais non, on peut pas. Et il y a quoi derrière? Bah, ça se trouve, en fait, il y a des travaux. Oui, c'est ça, en fait, ils sont en train de réparer le truc, donc ouais, c'est normal qu'il y ait des barrières de chantier, en fait. Ils sont en train de réparer la statue, la base de la statue. Tiens, regarde, celui-là, faut le souligner quand même. Pour toujours, Macron, on t'emmerde. Avec une petite faute d'orthographe, mais c'est déjà pas mal. Non, ici c'est sûr, c'est pas Vaux-en-Velin en termes d'architecture. Hein. Là tu sens la différence. Et à mon avis, les loyers aussi doivent être différents. Juste un petit détail, mais enfin, je suis sûr que la roue était dans l'autre sens. Elle était dans le sens de la longueur, là, à une époque. Et là, ils l'ont tournée. Alors est-ce que c'est dû à quelqu'un qui habite là et qui se serait plein de la lumière? Faut voir. Mais en tout cas, ouais, c'est sûr, la roue a changé de sens. Waouh, c'est beau! Elle est belle cette avenue. Putain, là c'est nickel, on pourrait manger par terre. T'as vu ça? C'est le centre-ville de Lyon, quoi. Ouais. Hey, on peut filmer votre pancarte, elle est énorme. Pas de soucis, je t'en prie, en tout cas. Je suis abonné à votre chaîne YouTube. C'est vrai? T'avais fait le truc du crack à Paris? Ouais. Ah, j'ai vu, je regarde tes vidéos et tout. On peut discuter? Bien, pas de soucis. Comment ça va? Bah ça va quoi, tu vois, donc normal. Tu t'appelles? Alexandre. Enchanté, Alexandre. Enchanté. Et donc, t'es trop moche pour la prostitution. Ouais, faut marquer des conneries, faut faire rigoler les gens, je pense, non? T'es ouais, d'accord ouais, ou pas? Carrément. Bah tu vois, regarde, toi, il y a une association, il y a des ingénieurs, ils ont fait ça, le truc Vagadon, tu connais? Non. C'est, bah écoute, tu vois, c'est un peu expliqué, je participe à la phase de test sur Lyon, en fait, tu vois. Ah ouais? Disparition de la monnaie depuis le Covid, leur but, rendre possible le don sans monnaie aux sans-abri, démocratiser l'usage du sans-contact. En fait, on peut te faire un don par carte bancaire. Ouais, par le NFC, ça va sur une cagnotte Lichty et le reste, quoi, tu vois. Et c'est là, la phase de test, elle a commencé aujourd'hui et pendant une semaine. D'accord, c'est énorme, ça. Ouais, carrément, ça change. Ouais. Et toi, ça me fait plaisir de te voir et tout. Je te vois toujours sur mon téléphone et je te vois en vrai maintenant, quoi. Ah ouais. C'est pas trop dur? Bah, ça dépend. Hein. Tu sais, la rue, c'est, si t'es organisé, t'arrives à te démarrer, je pense, tu vois. Donc, moi, je me démarre, tu vois, pour l'électricité, j'ai mes panneaux solaires, tu vois. Donc, ah ouais, c'est bien ça. Tu vois, ça, je me démarre pas à gratter, tu vois, j'ai depuis mes panneaux solaires et tout, je suis bien, quoi. Tu peux charger ton téléphone. Ouais, et tout. Ça. Et où est-ce que tu dors alors? Moi, j'ai un endroit, un local, parce que les gens me laissent dormir dedans, dans un bâtiment, tu vois. D'accord. Tu sais, si tu restes propre, les gens, ils peuvent rien te dire et tout, quoi. Tu vois, si tu fais pas le bordel, si tu viens pas bourré ou défoncé, les gens, ils diront rien, quoi, tu vois. Donc, Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Que du bien. C'est vrai? Oui, oui, que du bien. D'accord. Ouais. Il fait bon vivre. Il fait bon vivre. J'y habite depuis 1966, wow. Donc j'ai vu énormément de transformations, mais tout en bien. Vous l'avez vu évoluer donc? Je l'ai vu évoluer dans le bon sens. D'accord, ok. Ne serait-ce que la rue de la République qui était une rue passagère et qui est devenue une rue piétonne. Elle est magnifique cette rue. Elle est magnifique. Ah oui, franchement elle est magnifique. Lyon est une très très belle ville. Mais il y a certains quartiers, nous on était à la Guillotière, à Vaux-en-Velin, etc. Il y a certains quartiers qui sont, c'est sûr, pas fréquentables. Hein. Ouais. Vaux-en-Velin, la Duchère. Quoique la Duchère, ça s'arrange. Ouais. Mais Vaux-en-Velin, certains endroits de Vénissieux. Mais sinon, la ville,
en elle-même, même les alentours, hein, en dehors de ces quartiers-là, les alentours sont très très bien. Hein. Voilà, ça c'est le palais de justice de Lyon. Belle cour d'assises. Magnifique là. Ça fait très. C'est très romain quoi comme architecture. Gréco-romain, je sais pas comment on pourrait dire. Et du coup, tu étais à la rue pas par choix ou un peu par choix? Un peu par choix, je pense. C'est vrai? Ouais, un peu par choix. Parce que moi j'aime bien être libre. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois, si aujourd'hui je suis là, si demain je veux partir, je pars quoi. Tu vois, j'ai pas d'attache fixe. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Je crois que ça revient à trop de liberté, c'est la fin de la liberté, quoi, tu vois, donc... Et du coup, tu vis de quoi? Donc, t'as un peu de mendicité? Ouais, la mendicité, après je fais des sculptures aussi avec les canettes, tu et vois, t'arrives donc, à en vivre? Enfin, t'arrives à gagner ta vie, entre guillemets, avec... entre les sculptures et la mendicité? Tu vois la bourse, il y a des jours c'est bien, il y a des jours c'est pas bien, tu vois, il y a des jours c'est très très bien, et il y a des jours c'est pas bien, alors du coup, tu vois, quand j'ai une carte bancaire, c'est prépayé, donc quand j'ai des bons jours, tu vois, je mets de l'argent dessus, j'achète des coupons, je mets de l'argent dessus sur la carte pour les jours de merde, en fait, j'ai toujours un peu d'économie, quoi, tu vois. D'accord. Faut s'organiser, toute une question d'organisation, si t'arrives à t'organiser, en fait, tu peux gérer, je pense, tu vois. Je regarde, je paye pas de loyer, je paye pas d'électricité, je paye pas d'eau. Moi, si l'électricité, je vais payer parce que j'achète des panneaux solaires, quoi, tu vois, mais... Après, ouais, si... Regarde une personne normale qui travaille, si une personne qui a le SMIC, quand elle a payé l'eau, l'électricité, les assurances et tout, il reste rien à la fin du mois, je pense, non? C'est vrai. T'es d'accord ou pas, tu vois? Donc, je suis sûr que je gagne peut-être plus qu'une personne qui travaille au SMIC et tout, tu vois, donc... Mais comment t'en es arrivé à regarder mes reportages, en fait? Mais parce que je m'instruis, tu vois, j'aime bien regarder des trucs de fou, tu vois, donc et toi, je fais des bons reportages, je trouve, tu vois, t'avais fait la maison qui était squattée aussi, je crois, ouais, tu vois. Le gars, bah d'ailleurs, il a récupéré sa maison avec sa grand-mère. Tiens, je le dis pour ceux qui regardent cette vidéo. Ouais. Il a récupéré la maison. Ouais, c'est sa mère qui est allée avec sa sœur et lui-même. Ils y sont allés, ils ont finalement récupéré la maison. Ah bah ça va, c'est cool, quoi. Ouais, la fin de l'histoire est cool, ouais. D'ailleurs, faut que j'aille le revoir pour qu'il nous explique. Ça va, c'est cool. Bah continue à faire tes vidéos comme ça, en tout cas, c'est cool, tu vois. Merci, Alexandre. Moi, j'aime bien parce que moi, tu me fais voir des belles vidéos et tout, tu vois. Donc, d'accord. Au moins, j'ai rencontré une personne que j'aime bien et tout, tu vois, donc ça change. Merci beaucoup, Alexandre. Bah, je t'en prie, hein, au plaisir. Au plaisir. Merde, hein, pour, merci. Pour ton média et tout, quoi, tu vois. Merci beaucoup. De rien, je t'en prie. Ah, oh, moi, je me fais vieux aussi. Ouais. Le gouvernement, il s'occupe pas de la délinquance. Vous allez régler quel problème? Déjà, je vous allez donner choses. Du travail à ces messieurs? Pas du tout. Et alors, on est obligé de leur donner du travail pour leur parler? France, very, very good. Ah ouais, for me, he's a doctor, very good. Vous pétez la bière. Ok, donc apparemment, c'est ici que ça a brûlé. Il faut être focus sur le positif. Mais l'ambiance, elle est bonne à Lyon ou pas? Ah ouais, c'est bon. Elle est bonne. C'est bien. Elle est bonne, Lyon, là.